À 17h20, un témoin a aperçu un hélicoptère tomber avec un dégagement de fumée. Il a eu le bon réflexe d'appeler immédiatement le 18. Le préfet a déclenché le plan SATER, c'est le plan de sauvetage aéro-terrestre. En fait, ça permet d'engager immédiatement une reconnaissance aérienne pour pouvoir localiser les lieux de l'accident. Ça nous a permis de localiser rapidement l'appareil, donc à 1900 mètres d'altitude dans le secteur de Courchevel. Et à 18h, les premiers secours étaient engagés, donc des hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne et du SDIS de la Savoie. Donc, est-ce qu'on en sait plus sur les conséquences de ce crash? J'imagine qu'il y a, je crois qu'il y a deux morts et quelqu'un qui est en état d'urgence. Oui, alors le bilan provisoire fait état de deux personnes décédées. On a une pensée pour leur famille. On a également une personne qui est en urgence absolue et qui a été héliportée au centre hospitalier de Grenoble et deux personnes en urgence relative qui ont été transportées au centre hospitalier d'Albertville. Alors, est-ce que la météo y est pour quelque chose? Est-ce qu'on a plus de précision à ce niveau-là? Alors, une enquête permettra de déterminer les circonstances exactes de cet accident. La procureure de la République d'Albertville s'est rendue sur place et elle a saisi la gendarmerie pour l'enquête. Aujourd'hui, on sait à qui appartenaient ces hélicoptères? Non, nous n'avons pas cette information. Encore une fois, l'enquête est en cours, puisque la procureure de la République vient de saisir la gendarmerie pour justement déterminer l'ensemble des éléments. La Savoie est, comment dirais-je, de plein fouet frappée par deux accidents de la même sorte en très peu de temps. Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a de l'émotion hein, ce soir. Après l'engagement du secours en montagne et de toutes les femmes et les hommes qui la composent, c'est donner la priorité, quoi qu'il arrive, au secours des victimes. Et c'est ce qui a été fait ce soir, priorité au secours des victimes, quelles que soient nos émotions. Merci pour ces premières précisions et bon courage à vous, puisque j'imagine que l'enquête ne fait que commencer et que vous êtes très sollicité. Merci de votre disponibilité. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir Laurent.